Alors, bonjour à tous. Donc, une deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui, pour vous montrer comment faire les tartes au citron. Ou gâteaux au citron plutôt que tarte parce que j'ai pas de. Donc, ça donne ça. Là, il n'est pas cuit. J'en avais fait déjà une série. Donc, je l'ai coupé en parts, en petites parts. Donc, voilà, plutôt un gâteau au citron avec. Je sais plus comment ça s'appelle au-dessus. Le blanc. La ganache ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà. Alors il vous faut de la pâte blanche, de la pâte jaune. Donc voilà, donc on va commencer. Donc vous aplatissez avec un rouleau haute. Donc là j'ai pas grand chose sur moi. De façon à ce que ça soit quand même épais. Voilà. Donc pour faire un rond, moi j'ai un emporte-pièce. En fait j'ai acheté un lot de 3 emporte-pièces. Donc un tout petit, un moyen, un grand. Et ils me sont très utiles. Voilà. Donc ça vous fait une certaine épaisseur, ce qui est parfait. Après, vous passez au blanc. Après, vous le mettez donc au-dessus. C'est tout bête en fait. Donc en gros là vous avez fini. Hein. Vous coupez en parts. Voilà. Vous avez votre part. Après, donc pour faire l'effet un peu gâteau, vous piquez comme les macarons en fait. Vous piquez votre pâte en soulevant un peu la pâte de façon à ce que ça fasse l'effet gâteau. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais... Donc voilà. Après vous prenez votre canne de citron et vous coupez un morceau. Donc là moi il est déjà coupé. Donc là il est à moitié, mais bon c'est seulement pour vous montrer comment on fait. Donc, Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai planté la petite rondelle dedans. Voilà. Donc ça donne ceci. Une petite part de gâteau au citron. Donc voilà.